Bonjour et bienvenue sur douceurté.com. Alors aujourd'hui, on a prévu une petite balade en forêt. Je suis parti à la découverte de deux fleurs, de deux fleurs bien connues des randonneurs et des promeneurs, notamment l'anémone des bois. Donc cette petite fleur, on va voir plus de près, voilà, cette petite fleur blanche. Donc un aspect assez joli qui se propage assez facilement. Donc là, à savoir, bon, quand même pour s'étendre, il faut quand même un certain nombre d'années. L'anémone des bois, alors malheureusement, c'est pas une plante comestible, puisque elle peut même être mortelle en gérée en grande quantité. Hein, donc faut déjà pouvoir en avaler une parce que c'est pas bon. C'est un goût très amer. Ça peut causer des nausées, des spasmes, des troubles intestinaux. Donc c'est une jolie fleur, voilà. C'est utilisé en homéopathie de souvenir, mais en tout cas c'est pas comestible, voilà. Mais en tout cas voilà, c'est une belle découverte, c'est joli et on peut en apprécier sur toute l'étendue. On a aussi un peu plus loin, voilà. Donc ça c'est super joli aussi, c'est la jacinthe des bois. Donc pareil, c'est de la même espèce un petit peu que le muguet. C'est toxique, donc ça se mange pas, mais c'est très joli. Voilà. Donc là on peut en apprécier, il y en a une quantité astronomique. Voilà, bah c'était la petite balade découverte. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt sur douceurté.com.